cours d'aujourd'hui. Vous allez apprendre comment vous devez vous comporter avec votre futur époux. Prenez en note la date d'aujourd'hui dans votre cahier. Nous sommes le 2 juin 1960. Première leçon. Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu. Retouchez votre maquillage et mettez un ruban dans vos cheveux. Soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjoué et un peu plus intéressante que ces derniers. Cette journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. En résumé, j'espère que vous avez bien compris les descriptions. Pour conclure, ça, c'est l'image d'un vrai homme, puis ça, d'une vraie femme. Posez-vous pas de questions, suivez leur exemple. Ma job est faite, le cours est fini. Puis moi, je me considère pas comme une fille, je crois. Il y a juste deux modèles, puis c'est tout. Ça, c'est remandé à ta mère. Il est temps que tu changes tes modèles, le vieux. T'es pas assez date. Bonjour à tous, je suis très contente. Aujourd'hui, on commence le volet sexualité. On va commencer en parlant des stéréotypes d'identité de genre que, personnellement, je trouve encore d'actualité. Donc, vous pouvez prendre votre feuille pour prendre note de ceci. En commençant, vous, jeune femme, vous devez toujours vous montrer belle. Par la suite, vous devez être souriante. Ensuite, vous devez toujours vous montrer émotive. Surtout, vous devez aimer avoir des enfants et vous devez satisfaire votre époux. Ouais. Go! Ah ouais, Dieu, défends-nous. Ouais, ça n'a pas rapport. Pensez-vous vraiment que vous êtes supérieur aux filles? Ben, prends-le pas de même, là, c'est quoi t'es dans ta semaine. Ben moi, je suis d'accord avec les garçons. Le rôle des femmes, c'est d'obéir. Mais en passant, ce n'est pas parce qu'on est dans notre semaine qu'on est fru. Ben là, c'est rendu bien trop compliqué, là. Moi, j'aime les filles qui sont normales. Ouais, pis c'est quoi une fille normale pour toi? Bah, je m'inquiète juste des filles chaudes, bien courbées pis minces. Comme ça, on a, tu comment achètes bien mes souliers? Mon nom, c'est Emma. Ta gueule. Ok, je t'en ai ton langage. Tu sors. Viens, Steph. Mon nom, c'est Emma. Ouais. Sérieux, il est vraiment temps qu'on évolue. Pas la caméra. 2, 3. C'est vrai. Ok, on recommence. Oh, je coupe pas.
Première leçon. C'est pas grave. Deux. Juste première leçon. Non, tu me regardes pas? Non. Tu regardes pas la caméra. D'être détendu lorsqu'il rentre. OK. Faut pas qu'il y ait d'hésitation. Deux. Mais c'était bien ton regard. Scène 1, plan 2, prise 1. T'es sûr? Oui. OK. Deux. Juste une phrase. En résumé, j'espère que vous avez bien compris les descriptions. C'est pas grave, on continue! En résumé... Oh, attends. Attends, non. En résumé, j'espère que vous avez des... Faut juste que j'écrive des notes, écrive les affaires. Non, non, on a déjà écrit ça. Oh, mais je pense... Va-t'en parce qu'elle, faut qu'elle regarde la prof. Mais je pensais, genre, il fallait qu'il parle, puis en parlant qu'il parle, j'écris des notes. C'est bon? Oui, oui, mais... C'est mieux. Ma job est faite, le cours est fini. Non, excuse, parce que je pensais que je fallait que je lève mon bras tout de suite. OK. Scène 2, plan 9, prise 1. Oui, je suis certaine. Il y a juste deux modèles, pis c'est tout ça que tu demanderas à ta mère. Il est temps que... Il est temps que... Deux. Il est temps que tu chantes... Fait que Xavier, c'est beau, c'est parfait. Pour conclure, ça, c'est l'image d'un vrai homme. Pis ça... Oh là, ah ouais, c'est ça. Ah, pas grave. Ça, de... On recommence. Juste ça. Pour conclure, ça, c'est l'image d'un vrai homme. OK, on recommence. Pas grave. OK. Deux, trois, action. Pour conclure... Fizet te demande à la réception. OK. C'est Xavier! Scène 2, plan 2, prise 1. T'es certaine toi aussi? Ouais, toujours. Plan 1. Je dois dire ça? Oui, oui. Plan 1. Prise 1. Prise 1. Très bien. Plan. T'es certaine? Je dois répéter ça? Non. On a déjà un premier bêtisier. Voilà. Bon! Bonjour à tous. Je suis très contente. Aujourd'hui, on commence le volet sexualité. On va commencer en parlant des stéréotypes d'identité de genre. Donc, que personnellement, je trouve encore d'actualité. J'arrêtais pas de bégayer, c'est pas pour commencer. Ouais, on le coupe. Ça, c'est un bêtisier, c'est correct. Deux, trois, action. Attendez, désolé. Tu bouges pas. Okay. On recommence à ta phrase à toi, OK? J'ai dit ma phrase. J'aime les filles qui sont, tu sais, normales. Il y a eu une petite hésitation. Ben là, c'est rendu bien trop compliqué, là. Moi, j'aime les filles qui sont normales. OK, c'était... Là, c'est rendu bien trop compliqué, là. C'est quoi... Oh non, je me suis trompé de phrase. Scène 3, plan 9, prise 1. Certain? Très sûr. Sérieux, il est vraiment toc. Le bruit, là, la chaise. Sérieux, il est vraiment temps qu'on évolue. Où tu vas, toi? Je sais pas, Julie, elle m'a dit d'avancer. Ben, j'essaye. Non, parce qu'elle cache les oeufs. Elle se rassoit. OK, parfait. OK. Elle a vraiment envie d'être filmée, hein? Non, mais... Sérieux, il est vraiment temps. Oh, t'es arrivé. C'est bon. Sérieux, il est vraiment temps qu'on évolue. OK, j'ai vu la perche.